Deux choses. Les enfants, vous qui me regardez, bonsoir, je suis Bob Lennon. Il faut traverser dans les passages cloutés, il faut bien se brosser les dents 29 fois par jour et bouffer 17 fruits et légumes par mois. Parce que voilà, manger un peu de viande aussi, ça fait quand même un peu gonzesse cette pub, hein. Il faut manger des fruits et légumes. Tu manges du frometon, tu manges de la viande et tu manges un peu de tout et ça aide déjà, hein. C'est déjà un peu plus équilibré, hein, que le vieux message bourré qui te met... voilà, c'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est que t'arrêtes de te bourrer de sucreries, c'est tout, mais ils osent pas le dire, voilà. Bienvenue sur JVVS People numéro 4. Aujourd'hui, on va parler du sale gosse, du relou, du chieur, de l'intelligent Bob Lennon, qui est né le 3 avril 1987. On ne sait pas son vrai nom. Il a voulu le garder secret, ce que je peux comprendre pour sa famille, et puis voilà. Tout ce que je peux vous dire sur son nom d'artiste, c'est que son grand frère petit l'appelait Bobby, et Lennon à cause de sa coupe de cheveux, voilà, tout simplement. Il a eu un DUT-GEA à Valence, puis après un bac STT compta et gestion. Puis après, il a enchaîné plein de petits boulots, de la vente, il a pas mal galéré, il a pas mal bouffé sa merde. Franchement, c'est quelqu'un d'un milieu modeste qui a pas mal galéré, comme beaucoup de Français malheureusement dans ce pays. Et d'ailleurs, il racontait une histoire sur quand il était vendeur de chauffage, qui touchait moins que le SMIG. Il se faisait exploiter par un enculé de patron. Excusez-moi d'être vulgaire, mais il n'y a pas d'autre expression. Voilà, le voilà avec son chat Poupette et une épée de Conan le Barbare, il me semble bien. Après, il a eu la chance, en fait, c'était un grand joueur de Minecraft, et Minefile, hein, toujours, et il a rencontré Fanta en avril 2011, et ils ont fait une émission ensemble qui l'a rendu tout de suite assez rapidement célèbre. Fanta l'a trouvé fantastique, c'est qu'à de le dire, sur sa chaîne Fantasio 974. À l'époque, en avril 2011, il avait approximativement 1000 abonnés, Fanta, donc vous voyez, il n'était pas... voilà. Et en fait, dans ce numéro, avec Fanta, là, il est bien armé, faut pas le faire chier, il expliquait, c'était Minecraft, et il était le maire de sa ville qu'il avait créée. Et Fanta découvrait avec lui sa ville, et il était étonné par son charisme, sa façon de parler, de s'exprimer. C'est vrai qu'il a quelque chose. Beaucoup de gens disent qu'il est relou, c'est vrai qu'il est assez lourd, mais je pense que c'est un rôle qu'il joue. Donc là, on le voit en train de porter une gaïcha qui est Chun-Li sur Street Fighter 2. Bah, elle a un peu grossi, Chun-Li. Voilà. Et puis après, maintenant, ils sont en collaboration depuis pas mal de temps. Plusieurs années. Ils ont fait près de 800 vidéos ensemble, hein, sur Fantasio 974. Ils parlent beaucoup de gaming, de jeux vidéo, Minecraft. Ils testent beaucoup de jeux. C'est assez intéressant. Il y a des FAQ aussi. J'aime bien. Et puis, quelques... Moi après, ils ont créé la chaîne Fanta Bob Games. Là, bon, on a le nom de Fanta et de Bob, cette fois. Tous les deux, ils font encore des tests de jeux vidéo. Ils en postent à peu près 2 par jour. Donc là, on le voit avec une épée magique et joueur du grenier. Et Seb, un peu plus au milieu. Et c'est quelqu'un qui... c'est vrai que moi, il m'énerve pas mal. Il m'agace, mais... Il a une façon de s'exprimer quand même qui est classe. Enfin, pas classe, mais je trouve un télo déconneur. Donc là, on le voit avec Fanta, son pote. C'est grâce à Bob que Fanta a pété sa chaîne. Hein. Maintenant, il a 1,5 million d'abonnés. C'est grâce à Bob, hein. Faut pas chier là-dessus. Voilà. C'est quelqu'un qui a... Je suis content qu'il vive enfin de ses vidéos. Parce que voilà, il racontait qu'il avait du mal à bouffer et tout. Donc, je peux comprendre. C'est des gens qui en veulent. Qu'avait faim, c'est pas encore trop publicitaire. C'est vrai que c'est un peu une machine à pognon maintenant, leur chaîne secondaire, mais il n'y a pas de goodies, il n'y a pas de t-shirts. Pendant les expos, les conférences, ils vont pas à une marque bien précise parce qu'ils sont pas achetés pour rester dans un stand. Ça reste quand même cool. Et puis après, que dire de plus de Fanta? Voilà, moi c'est plus Bob aujourd'hui, donc on le voit en train de s'amuser avec son pote. Bob Lennon a fait pas mal en ce moment, depuis quelques mois, de jeux papier. En particulier, Aventure sur Bazar du Grenier, qui est une chaîne sympa. Il joue le rôle d'un mage de feu. Pourquoi pas? Moi j'aime bien, je suis l'émission depuis un paquet de temps. C'est vrai qu'au début, encore une fois, j'ai eu du mal avec Bob, parce que voilà, qu'est-ce qu'il a une grande gueule. Franchement, des fois on dirait que c'est le meneur né, quoi. Et c'est fatigant.
Après, il a fait aussi Star Aventure, qui est une nouvelle série sur Bazar du Grenier, qui est intéressante aussi. J'aime moins, je préfère Aventure, mais bon, il joue aussi là-dedans, il joue le rôle d'un robot. Et enfin, l'appel de Cthulhu, qui est la chaîne de Maillard, sur Internet, qui s'appelle Réussite Critique, que je vous invite à aller voir, qui est sympa. Et là, il jouait le rôle d'un médecin dans les années 20. Là, on voit les photos, justement. Bien facho, sexiste, raciste et tout. Et puis, il s'est fait dégager de l'émission à la fin par le vote du public parce que c'est vrai qu'il avait trop abusé. Il disait qu'il avait une esclave asiatique. Les bonnes femmes, il les supportait pas juste pour la vaisselle, le ménage. Enfin, il a un peu abusé, franchement, c'est dommage. Donc, qu'est-ce que je peux retenir de cette chaîne de lui ? C'est quelqu'un de casse-couille, c'est un sale gosse, mais on l'aime bien quand même. Moi, j'espère qu'il va pas sombrer dans le pognon. Et puis, je vais lui souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Ciao, ciao les amis, à bientôt pour un nouveau JVVS People.